Prince Harry et Meghan Markle, l'heure avec Netflix en grand danger. L'idylle entre Netflix et la famille royale britannique est décidément loin d'être de tout repos. Hier, la plateforme de streaming américaine a dévoilé la cinquième saison de son show historique The Crown. Avec Imelda Staunton qui prend le relais de Claire Foy et Olivia Colman dans le rôle d'Elizabeth II. Mais à l'inverse de ses prédécesseuses, l'actrice révélée dans la saga Harry Potter doit gérer une pression nouvelle. La monarque est décédée le 8 septembre dernier et il est désormais vital de ne pas abîmer sa mémoire auprès du public. D'autant que la famille royale n'a pas beaucoup apprécié certaines libertés prises par les créateurs de la série. Notamment sur le traitement de l'infidélité du prince Charles ou la maladie de Lady Diana. Ce qui n'empêche pas la reine consort Camilla Parker Bowles d'être complètement fan du show dont elle ne raterait apparemment aucun épisode. Les polémiques autour de The Crown ont en revanche refroidi les ardeurs d'un autre membre de la famille royale, le prince Harry. Bien qu'il ait quitté ses fonctions officielles, le fils cadet de Charles III revêt une grande importance aux yeux de Netflix. Ce qui a d'ailleurs motivé la plateforme de streaming à lui proposer, ainsi qu'à son épouse Meghan Markle, un contrat mirobolant pour la création de plusieurs contenus. Parmi eux, un documentaire qui semble de plus en plus être un véritable champ de bataille. Selon les informations du Sun, Harry ferait en effet pression sur Netflix pour modifier de nombreux passages du programme. Tourné avant la disparition d'Elizabeth II et qui aurait désormais un tout autre impact. Une source affirme même que le papa d'Archie et Lilibet ferait tout pour que le documentaire ne sorte pas avant les fêtes de Noël. Une demande acceptée par Netflix, qui craint un véritable scandale avec le contenu du programme. Surtout qu'en parallèle doivent sortir les mémoires explosives du prince Harry sur son départ de la famille royale. Le contrat, estimé à plus de 120 millions d'euros, semble de plus en plus menacé par les hésitations du frère de William.